La plupart des patients, ce n'est pas des patients qui viennent dans des situations d'extrême urgence. C'est généralement des urgences qui sont différées. Les premiers soins ont été faits en Libye, mais parfois on reçoit des gens qui ont des situations très urgentes et même hyper urgentes. Ça veut dire que c'est des gens généralement qui ont des lésions vasculaires. Ça veut dire des lésions où il y a une interruption de la vascularisation du membre. وليد دول تحرك هذه بعد عملية العصب. هو نصيبك اني جيت لتونس، لان ما فيش قدامنا الا تونس. مصر ما صارش منها، جيت لتونس يوم الضربة قبل ما نطلع لمصر، ما صارش منها. بعدها هي اللي صار من تونس، جيت لتونس. Se retrouve avec des services qui sont en quelque sorte. Vu le trajet et le nombre d'heures. La chose la plus importante qui a bloqué vraiment les Libyens, c'est les passeports. On n'accepte pas en Tunisie les passeports écrits à la main. On n'accepte que les passeports où il y a des codes à barre. Ça veut dire les nouveaux types de passeports. Et ça, en période de guerre, les Libyens, ils n'ont pas accès à préparer leurs passeports. المصاريف أول جيتي للتونس أنا أول جاية وثاني جاية أول عملية وثاني عملية هذين على حسابنا الخاص هذين جينا هنا على أساس على حساب لجنة ما لقيناش لجنة خشينا المصحات في محمد عبد الله منصور حط لي دفع 21,000 لأن عملية واعرة وقعد شهر ديما شهر ونص في المصحة